Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf FR, et bienvenue dans la minute quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 29 mars sur l'hippodrome d'Östersund. Avant cela, petit résumé du quintet de la veille qui avait lieu ce vendredi sur l'hippodrome de Kranji. Minister, le numéro 6, montre enfin son vrai visage et s'impose plaisamment. Top Prono s'illustre encore en donnant le tiercé, quarté et quinté plus, les trois dans le désordre. N'oublions pas de saluer nos amis du concours de pronos gratuits où vous êtes très nombreux à vous y atteler au quotidien. Félicitons notamment ALG 15006 et Rico 1960 qui, à l'image de Top Prono, donne également le tiercé, quarté, quinté plus dans le désordre ainsi que les bonnes bases. Allez, découvrons un nouveau site suédois en ce dimanche 29 mars 2020. Östersund accueillera le tiercé, quarté, quinté plus en cette journée dominicale. C'est le prix Ganymède rendant hommage à un grand étalon français qui sera à l'honneur. Lors de cette 9e course de la Réunion 1, dont le lancement est prévu pour 16h48, 12 éléments trotteurs s'affronteront sur le parcours des 2640 mètres départ lancé. Lauréat à deux reprises depuis le début de sa carrière sur cette piste d'Östersund, qu'il affectionne tout particulièrement, Axel Braun, le numéro 3, en forme et déféré des antérieurs, doit remporter ce quinté plus. Le Perfect Dream, le numéro 8, est un pari très amusant. En valeur pure, il semble un léger ton au-dessus de ses rivaux du jour. Seul bémol, et de taille, il n'a plus été revu depuis la fin de l'année 2018 et va effectuer une immense rentrée ici. Bon deuxième de quinté plus il y a une semaine sur l'hippodrome de Berkshaker, Let's Go Ernie, le numéro 9, n'a qu'à se sortir du numéro 9 en deuxième ligne pour jouer une nouvelle fois le podium. Vigirax, le numéro 7, d'une belle régularité dans l'ensemble, ne devrait pas sortir des 4 premiers dans ce lot. Accordons également du crédit à Réflexion, le numéro 12, dont la musique, hormis sa dernière disqualification, est franchement attirante. Pleasure for Cash, le numéro 4, qui s'élancera avec le numéro 4 donc à l'autostart, aura des partisans. Si non partant il venait à y avoir, Special One K, le numéro 5, entrerait alors dans notre pronostic. Bon quinté plus scandinave les amis, et à demain pour de nouvelles aventures.